Bienvenue à Walt Disney World. Eh oui, effectivement. Donc bonjour à tous, c'est Walt, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vidéo test, car nous sommes à Walt Disney World Magica Racing Tour. Donc sorti en 2000, créé par Disney Interactive, édité par Diego et développé par problème de mémoire, c'est casse-pied ça. Bon, pardon si je m'énerve, c'est parce qu'en fait ça fait pratiquement la deuxième fois que je refais cette vidéo, les amis. Et du coup j'étais obligé de tout refaire parce que j'ai eu un problème de son au moment de la dernière partie de la vidéo. Du coup la télé était un peu trop fort et ça a été un petit peu casse-pied. J'arrive pas, voilà. Bon, on va faire plus simple, c'est un jeu Cars Disney sorti en 2000. Tout simplement, donc ça a été créé par Disney Interactive, ça c'est sûr. Donc sorti en 2000 sur PlayStation 1 et sur Dreamcast et Windows et Game Boy Color. Sorti d'abord dans les pays anglophones et après en Europe. Jimmy Trinket, avec le regretté Roger Carrel, qui nous manque beaucoup. J'espère que tu riras bien. Je note tout dans mon. Je laisse parler, on se comprend après. Ah oui, ce matin, nos amis Tic et Tac ont décidé d'explorer Walt Disney World et tu les connais, ils ont voulu fouiller partout. Au printemps, une porte dérobée du château qui s'ouvre sur un sentier secret, ils sont montés et ont fini par découvrir l'une des merveilles cachées du parc, le canon magique de Walt Disney World. Nulle part au monde, on ne peut trouver invention aussi fantastique de cette machine extraordinaire par tous les soirs le plus beau de tous les feux d'artifice. Croiras-tu que ces deux écureuils sans cervelle n'ont pu contenir leur curiosité et se sont approchés tout près, bien trop près? Ces maladroits ont laissé tomber des glands dans la machine, ce qu'elle n'a pas apprécié du tout. Elle a toussé, soufflé, s'est débattue pour se débarrasser des glands importants, en vain. Les glands avaient complètement détraqué ses électro-rouages et ses pneumatico-ressorts. Tant et si bien qu'elle est tombée en panne. Effrayés, nos petits amis Tic et Tac ont couru se mettre à l'abri. La machine a craché une épaisse fumée, une gerbe d'étincelles. Finalement, elle a explosé. Tous les morceaux se sont éparpillés à travers Walt Disney World. Si tu ne fais rien, il n'y aura pas de feu d'artifice ce soir. Alors vite, aide Tic et Tac à retrouver les différentes pièces de la machine. Ainsi, nous pourrons la réparer à temps pour le spectacle. Tous les visiteurs du parc comptent sur toi. Allez, et bonne chance! Voilà, alors Jimmy Trinket vous a expliqué l'histoire. Donc là on arrive sur le choix des personnages, donc on a Tic. Ensuite on a un genre de Riri en forme de vampire. On a Polly Roger, je ne sais pas d'où ça vient. Oliver Chili, ça me dit quelque chose mais je sais pas. Otto, je me demande si c'est pas la bande à Picsou. Maurice Plague, Bruno Big, un genre de pâte méchant. Ça doit être un canard, c'est pas qui c'est. Jimmy Trinket qui est jouable, mais il faut le débloquer, et on attaque. Ensuite on a Tiara Damag, une méchante. Et Amanda Sparkle. Et donc je prends Tic. Bon, je vais prendre un nom, je vais pas vous le dire. Voilà. Je ne complique pas la vie. Donc ça va pas être facile bien de parler. Bienvenue sur l'écran de progression. Celui-ci t'informe de l'état d'avancement de ta mission. Si tu as besoin d'un peu d'aide, un peu bouton d'astuce, et je verrai ce que je peux faire pour toi. C'est bien pour un jeu de l'époque, franchement, d'avoir
Bon, genre Jimmy Trinket, donc Roger Carrel qui joue un narrateur et qui peut te donner des conseils comme ça. Donc là pour vous montrer le monde, c'est track, rock, light beach, dinosaure, en référence au film. Studio Disney. Enfin voilà, comme vous voyez, il y a des mondes, et celui de tout en haut, donc le Big Thunder Mountain, j'ai du mal à dire, comme vous voyez, il est tout en rouge, alors que les autres sont en bleu. Et en fait, quand c'est en rouge, vous voyez des logos d'ailleurs à côté, c'est ce qu'il faut débloquer. Et quand ils sont tout en rouge, quand il est tout en rouge comme ça, ça veut dire que c'est le seul stage accessible qu'on a. Alors, je vais avoir du mal à vous faire ma vidéo parce que je vous ai dit, j'ai déjà fait cette vidéo avant, mais je me suis raté. Du coup, pour relire les mêmes phrases, on parlait de la même chose, mais surtout parler, ça va être très difficile. Là, dans la première vidéo, dans ma première prestation, j'aurais dit beaucoup trop. Et là, je risque peut-être de vous en dire moins, parce que je vais être en meilleure forme tout à l'heure, mais là, je suis un peu fatigué. Enfin, entre faire la vidéo et s'occuper du montage, ça fatigue, je ne dis pas. Alors, du coup, quand on doit la refaire, déjà, on tire une tête, là, je fais une grosse tête, on va faire comme ça. Et ensuite, quand il faut le refaire, là, c'est horrible. Donc là, je vous montre, comme vous voyez, le circuit de montagne. À Mario Kart dans le monde de Disneyland, mais pas Paris, Disneyland américain. Alors, je sais pas si c'est la Californie ou il y a Hollywood aussi. Je sais pas si c'est l'un d'eux. En tout cas, c'est le Disneyland américain. C'est pas le Disneyland de Paris qu'on connaît. Hein. Enfin, ancien, bien sûr. Il y a plein de choses qui ont changé. Je ne suis jamais allé à Disneyland, mais je suppose que ça a été remis au goût du jour quand même à Disneyland. C'est pas resté forcément comme ça toute sa vie. Après, il y a des endroits comme ça, ça peut toujours exister dans le parc Disney, mais certains ils ont pu être remplacés aussi. Vous voyez, je baille déjà. Je baille déjà, je commence à peine la vidéo, mais je suis déjà fatigué. Je vais essayer de vous parler de beaucoup de choses, et vous expliquer déjà pourquoi je fais une vidéo sur ce jeu, quel est ce jeu, est-ce qu'il y a des gens qui le connaissent, est-ce qu'il n'est pas connu, comme ça. Enfin, je sais pas si vous avez remarqué, mais oui, vous entendez, je pense, un peu résonner dans la pièce, c'est parce que je n'ai pas la caméra. Je n'ai pas le micro-cravate. Et pourquoi je n'ai pas le micro-cravate? Parce qu'il ne passe pas sur la caméra. Enfin, d'habitude, je le branche comme ça pour pouvoir me filmer, et là, ça ne passe pas. Je ne sais pas si ça vient de l'application ou du téléphone en lui-même, mais ça ne passe pas du tout, et du coup... Le micro il sert à rien, du coup je parle comme ça. Alors, vous voyez les tasses qui tournent là, ça fait beaucoup de références au parc Disney justement. Vous savez, les manèges qui tournent, hein, très connu. Vous voyez déjà à l'époque, ce genre de tasses qui tournent, ça, tout dort, si c'est un clin d'œil. Disney World. Je pense que oui. Savoir que ce jeu est sorti en 2000, donc on va avoir plutôt des films ou des références plutôt basées sur cette année-là. Déjà que je dois vous parler du jeu, alors si je dois vous parler des persos, alors là, les persos quand même, la première fois que quelqu'un va jouer à ce jeu, il va rien comprendre parce qu'il va trouver que c'est un gros foutage de gueule. Et déjà, comme vous pouvez le voir, je vous montre les persos, on a que Tic, on a que Tac, on a que Jimmy Trinket, et on a... Pardon. Un coup de barre. Donc
comme je disais, on a Kotick, Etak et Jimmy Triquet, donc c'est un gros foutage de gueule, et on n'a pas des persos, des persos identiques, des icônes de Disney. Nous n'avons pas Mickey, nous n'avons pas Donald, on n'a pas Dingo, on n'a pas Pluto, on n'a pas... voilà, on n'a pas de Aladdin, on n'a pas la Reine des Neiges, je ne sais pas. Voilà, on n'a pas Peter Pan, on n'a pas... pas le Roi Lion, enfin, vous voyez que des icônes de Disney, même de l'ancienne époque, il n'y a même pas Dumbo, en plus le pire c'est que voilà, il y a Jimmy Triquet, enfin je fais n'importe quoi, il y a Jimmy Triquet, j'aime bien, mais ce qui est marrant c'est qu'il n'y a même pas Pinocchio, pour vous dire, ils ont même pas pensé à mettre Pinocchio en perso jouable. C'est pas si grand perso non plus, hein. Je veux dire, il est très connu, son film de Disney aussi, dégagné. Donc ouais, il est même pas dedans. N'importe quoi, je comprends. Tu as gagné ta première course et retourné. Ah, vous voyez le podium, et là vous voyez, j'ai gagné, je prends bien, et du coup je récupère la pièce de la machine pour le feu d'artifice de la soirée. De m'entendre tousser parce que je suis malade. Comme dans l'autre vidéo, vu que j'arrêtais pas de beaucoup parler, j'ai toussé comme un canard. Bon, là j'ai baissé l'effet sonore et la musique parce que sinon ça fait trop de bruit et j'aime pas trop. Ça fait moche, je trouve. Donc voilà, je préférais baisser, c'était mieux. Donc voilà, comme je vous ai dit, donc on est progression à 5%, le but c'est d'être à 100%, ça j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Et là vous voyez, il y a deux mondes en rouge qui viennent de s'éclairer, ça c'est deux endroits jouables. Donc voilà, Dinosaur et Playboy Beach. Beach, alors que ça se passe dans la neige. Mais bon, ben là je vais vous faire celui-là, parce que comme vous voyez, la différence, c'est qu'on n'est pas en voiture, mais moto des neiges. Je crois que c'est moto des neiges. Ouais, je crois. Un truc comme ça. En tout cas, c'est gros ça. Donc voilà. Ok. Là, on a les noisettes. Quand je vous racontais l'interface, bon ben, je vais vous la raconter. Là, qu'est-ce qu'on voit affiché, ben, deuxième, on voit tour 3, tour 1-3, bon, c'est le nombre de tours, ça vous saviez. Les noisettes, ben, comme Mario Bros, ce sont des armes, par exemple là j'ai la fusée, il ne faut pas que je me prenne un obstacle, sinon elle explose. Là c'est rien, elle a explosé à cause d'un laps de temps, parce qu'on a un laps de temps avant qu'elle explose aussi. On peut pas rester comme ça une éternité. Là. Donc là on a les noisettes. Alors les noisettes, la particularité c'est que soit on peut les conserver pour se protéger comme bouclier, soit on peut les envoyer aux ennemis pour prendre un avantage. Là vous voyez ramasser des pièces, donc c'est pour aller plus vite. Des lumières vertes que vous voyez flotter dans les airs, ce sont les feux d'artifice, à savoir qu'il faut en récolter un nombre pour pouvoir, augmenter notre progression. Si on gagne toute la course, on va augmenter la progression, mais on va augmenter seulement par 5. Alors qu'avec le feu d'artifice, on gagne au moins juste 1% ou 2% en plus. Mais quand on voit comment le jeu peut être à quelques moments assez difficile, vaut mieux bien le faire progresser. Donc c'est pour ça qu'il y a un mode contre la vôtre. Comme je disais, c'est pour ça qu'il y a un mode contre la montre, parce que ça va nous permettre de pouvoir connaître les courses. Par exemple, là, on fait une course, là, et ben, on n'a pas le choix des difficultés, on ne peut pas faire une course rapide, on est obligé de faire que le mode aventure. Le problème dans le mode aventure, c'est que si on perd, on recommence, on ne progresse pas, ce qui est normal. Mais je veux dire, il n'y a pas de course rapide, genre une course pour se défouler. À part dans le mode duel, mais il faut au moins être deux, et quand tu joues sur un émulateur à deux personnes, c'est,
c'est très compliqué, surtout que c'est quasi impossible. Et du coup oui, avec le mode contre la montre, au moins vous êtes tout seul, vous êtes peinard. Vous prenez le temps qu'il vous faut, parce que vous gagnez ou que vous perdez, ben, ça change rien de votre progression, ça reste toujours pareil. Et au moins, avec le mode contre la montre, le fait déjà que... Oh là là, c'est pas vrai. Oh, je me fais doubler, c'est pas possible, ça. Donc le fait que ça reste toujours pareil, comme je disais, ben, c'est perdu, c'est sûr. Ben, ça va nous permettre de pouvoir connaître mieux les stages, enfin, savoir où est-ce qu'il y a des cachettes, des items et tout ça. Et là, c'est ce que j'aurais dû faire en fait depuis le début du jeu, c'était prendre des cachettes, j'aurais pu progresser. Pas mal, mais pas tout à fait. Et je me serais retrouvé premier. Fait manque de chance, c'est pas gagné. Donc écoutez, on va recommencer, c'est pas grave. Hein. Si on s'accroche un petit peu, on peut encore y arriver. Voilà, ils disent que j'ai gagné, bon je suis premier, bon c'est juste un record, hein, c'est juste un temps. C'est pas important ça. Ça m'empêche pas de rester à 5%. Il y a une tête de rose qui est horrible. Du coup je vais recommencer. C'est parti. Ah, je pense que c'est lui, le canard là qu'on doit débloquer. Alors, vous voyez en arrière, on a diminué Triquet, donc il est jouable. Il est jouable, mais nous on doit le débloquer. Voilà, c'est pour ça. Heureusement que ces trois persos que je vous parlais depuis tout à l'heure, ils sont présents parce que les autres ils sont même pas iconiques, on sait même pas qui c'est. Limite, ils seraient même pas là, on s'en taperait complètement quoi. Ah, c'est pas vrai, prends les armes. Ah, moi, ce qui me déçoit un peu dans ce jeu, c'est le manque d'identité, en fait. Un peu le manque de casting. Ou alors, c'est des castings pas intéressants, pas charismatiques du tout. Et ça, c'est un problème. Tellement trop dans la première vidéo que c'est dommage que la première vidéo ne soit pas enregistrée parce que vous aurez pu en savoir un peu mieux. J'essaye de me souvenir de tout ce que je vous ai dit ou tout ce que je vous ai raconté à l'origine, mais là je suis presque claqué. J'avais même pas envie d'attendre demain parce que je ne savais pas si demain j'aurais que du temps libre ou pas. Pour ça, je préférais la faire en tant que j'avais l'occasion. Ça me gratte. Bon, il reste plus qu'une course, donc voilà, 8 pièces, donc ça va jusqu'à 10 les pièces. Le feu d'artifice, il faut un minimum en récolter au moins plus de 5 pour débloquer le succès des feux d'artifice. Si on est à moins, et bien, ça marche pas. Et les feux d'artifice, voilà, heureusement, c'est pas important, hein. C'est juste pour se donner. Un peu de progression, un peu d'avantage, mais ça n'a pas d'importance. J'espère que là, cette fois, on va gagner. Il ne reste pas des masses non plus. Je peux prendre des arbres, là, je sais pas ce que j'ai à faire des bisous aux arbres, là, c'est n'importe quoi. Allez. Alors, vraiment, je suis presque à la fin. Ça devrait pouvoir bien se passer. Ça y est, j'arrive à la fin. Allez, et voilà. Ça y est, enfin. On est premier. Toi alors, la neige, ça te connaît. Tu es champion de Bizarre Pitch. Voilà, on a récupéré un objet en plus. Je sauvegarde.
passer à l'endroit suivant. Donc, je vous parlais de Dinosaur tout à l'heure, donc un film. Ah oui, c'est à tous ceux qui ne le savent pas, il y a un film Dinosaur sorti en 2000 ou 2001, par là, dans ces alentours-là, et qui malheureusement est un film oublié. Quand je dis un film oublié, c'est genre, plus personne n'en parle. Les gens font comme si ce film n'existe pas. Ou n'a jamais existé. Et je peux même vous citer d'autres films, comme par exemple Mille Pattes. Qui est un film sur les fourmis, fourmilière et tout ça, qui est vraiment un film sympa aussi, ou le film L'Atlantide, là. Là, c'est des films comme ça de Disney, plus personne n'en parle. Plus personne n'en parle, il faut comme si ça n'existe pas. Moi ça me déçoit beaucoup, alors que pourtant dans ce jeu, c'est l'un des trucs qui mettent le plus en avant. C'est un des films qui mettent le plus en avant, Pirates des Caraïbes, qui maintenant est un phénomène, Pirates des Caraïbes. Mais à l'époque, c'était tout nouveau. Et même les gens de Disney, à cette époque, ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir. Ces films-là, d'autres ont eu un énorme succès, et d'autres n'ont pas marché, malheureusement. Ces films-là que je vous parle, ils ont été carrément oubliés. Alors que le but de ce jeu, c'était aussi de faire la promo au parc Disney pour l'époque, et c'était surtout pour faire un peu la promo au film. À leur film qu'ils ont mis dans le jeu. Et parmi la promo, il y en a qu'un qui a pu avoir la barre haute pendant longtemps. Oula, je me suis raté. Voilà, pour vous expliquer niveau cinéma, en plus avec maintenant Disney qui a racheté Marvel, déjà côté super-héros ça va pas aller mieux, je sens. Alors niveau Disney, à part des qualités, des films genre 3D mais vraiment moches, franchement, j'ai pas du tout, mais on perd d'excellents films, malheureusement. Ah bon. Donc moi, si je pouvais dire à des développeurs comme Microïd ou même des petits développeurs débutants qui tomberaient sur cette vidéo un jour, me voyant jouer à ce jeu, bon, franchement, une version remasterisée serait vraiment pas mal. Genre, tu refais ce jeu, mais remis au bout du jour, ça pourrait refaire la promo de ces films-là qui n'ont pas eu la chance de pouvoir continuer à percer même sur Disney+. Ça leur permettrait de pouvoir remonter la barre un peu haute, ou à certaines personnes de revisionner leur classique. Je trouve dommage que ce jeu n'ait pas eu de version remasterisée, parce qu'on pourrait faire quelque chose avec les nouveaux moteurs de ce jeu. Genre on pourrait rajouter des persos iconiques et jouables, et les persos leur donner une meilleure tête. Enfin, c'est ce que je pense. Après tout, comme je l'ai déjà dit, ils l'ont déjà fait pour d'autres licences, comme par exemple Crash Bandicoot, ils ont fait du HK3, ils ont fait Tomb Raider du HK3, ils vont faire même le 4 HK6. Et ils ont fait aussi les Astérix et Obélix, XXL. Donc, les JTA aussi, donc vous voyez, ils ont pris des licences comme ça. Fait un Spectre Gadget, d'autres jeux et tout. Ils ont pris des licences comme ça et les ont remis au bout du jour. Même petit œuf, vous voulez dire. Là, je vous ai donné beaucoup de noms, mais c'est ce qui me vient en tête, mais c'est pour vous dire. Et ils ont remis au bout du jour. Du coup, ça leur a permis ça a permis à la nouvelle génération de connaître des jeux qu'ils ne pensaient pas un jour connaître, comme celui-là. Celui-là, il n'y aura pas beaucoup, je pense, qu'ils doivent le connaître. Mais du coup, c'est plutôt un jeu oubliable, et le film. Les films que je vous ai cités sont oubliables aussi, et je trouve ça un peu dommage. Alors qu'on pourrait leur faire de la pub. Le seul moyen qu'il y a, ça serait de faire un jeu remasterisé avec ça. Voilà, filet premier. Ah, s'il y a un développeur qui tombe dessus, ben voilà, qu'il fasse une version remasterisée de ce jeu.
le Walt Disney Magical Racing Tour. Qu'il en fasse quelque chose de sympa. Ça peut être faisable, franchement. Voilà, ça c'est fait. On va passer. Au prochain niveau, donc 16%, on a vu. Et là, donc, nous avons un autre stage qui s'ouvre, c'est le test track, donc un genre de petit labyrinthe où cette fois la différence qu'il y a, c'est que c'est pas une course, genre un challenge. Là, comme vous voyez, il faut ramasser 30 pièces de la machine avant la fin du temps imparti pour pouvoir gagner, parce que si on ne l'a pas fait, ben, on est obligé de tout recommencer. Et là, comme vous pouvez vous apercevoir, vous n'entendez plus de son, c'est parce que à cause des copyrights, j'étais obligé de couper ce segment. Et du coup, ce passage-là, enfin ce stage-là, risquera de ne pas avoir de son. Donc, c'est pour vous expliquer. Hein. J'espère que ça ne va pas être dérangeant pour vous. C'est très compliqué. Du coup voilà. Je sais de récupérer les 30 pièces, mais ça va pas être facile, j'ai pas l'habitude à ce jeu là. A savoir que j'ai découvert comme vous quoi, ce jeu là je l'ai découvert grâce à un direct live d'un youtubeur. Donc il a fait un direct live sur ce jeu et qui d'un coup se mettait à le massacrer mais violemment. Il n'aimait pas du tout, il disait ouais, que les têtes faisaient peur. Enfin, voilà quoi. En gros il taclait violemment le jeu et le fait que je fasse cette vidéo les amis ce n'est pas pour c'est pas pour me défendre ou quoi que ce soit mais c'est pour et c'est parce que j'avais envie de donner ma propre version. La propre version du jeu pour voilà quoi, pour donner un avis. Ça sert à rien. On verra bien après. Je crois pas que je vais trouver toutes les pièces. Ce stage-là, il est long, mais il est long, mais je vous raconte pas. Enfin, quand je dis il est long, pas le circuit, il est long, mais ce fait de chercher les pièces pendant longtemps, je sens que ça va être long, mais incroyable. Quand on connaît l'endroit où se cachent les pièces, après ça prend 2 minutes, machin. À savoir que des courses comme ça, parce que faut savoir qu'il y a des youtubeurs hein, qui en ont fait des petites genre d'épisodes de playlist, et à chaque fois leurs courses, vu que c'est des professionnels, ils ont beaucoup joué à ce jeu, ils connaissent tout par cœur. Il faut savoir que leurs courses ils duraient de 2 minutes jusqu'à ouais, 4 minutes 30. Et ils n'allaient pas plus loin que ça. Et j'en connais une, elle a fini le jeu à 105%, vous rendez compte, 105, parce qu'elle a. Elle a découvert tous les objets secondaires, elle a récolté toutes les pièces, elle a fait plein de trucs, beaucoup plus que moi, et du coup, elle est allée très très vite. Je risque pas de trouver la pièce, hein, parce que là, avec le peu de temps qui me reste, c'est pas gagné du tout. Hein. Ah, là, ça me gratte! Je joue et ça me gratte, c'est casse-pied. Je peux avoir un côté mal à l'aise, je pense. Pour ça, je me gratte. J'aimerais bien me poser au fond de mon canapé comme ça, mais j'ai peur que vous ne me voyez pas bien, je pense. Bon, bah, tant pis, là, c'est pas gagné du tout. Donc, on verra bien. On va essayer de se rattraper, donc voilà, temps écoulé comme vous avez vu. J'espère qu'on va se rattraper. Je vais tenter de le refaire. Si je me loupe une deuxième fois, ben tant pis, je vous montrerai le mode contre la montre avec un nouveau stage qu'on n'a pas débloqué. J'espère que vous voyez un peu d'autres choses. Sinon, tant pis, voilà. Hein. On va pas.
forcer la main. Je vais essayer, au moins une fois. En tout cas, on faisant un peu doucement. On risque pas de manquer des pièces. Ok. Ah, j'ai manqué la pièce. Bon. Là, on a juste à faire un demi-tour. À continuer. Hop, une autre pièce. Il en manque encore. Au moins 8, enfin au moins 10, hein. On verra bien si on les trouve toutes. En tout cas, là, on a du temps, c'est sûr. Ouais. J'espère que le fait qu'il n'y ait pas de son, ça ne va pas vous endormir. Je m'en excuse. C'est pour ça que je parle, c'est pour pas m'endormir. C'est vrai que quand il y a un silence comme ça, c'est fatigant. Déjà, je suis claqué, déjà, alors... pas facile. Une pièce. Il m'en manque 9. Et... Hop là. On continue. Bon, bon. Nous avons que... Encore 39. 39, je suis complètement perdu. Je sais plus ce que je dis. Ah, il en manque 3 là. Ah, je vous l'ai dit, c'est la fatigue. Hein. C'est la fatigue. Hein. Du coup, je vais confondre ou je vais dire n'importe quoi. Je suis désolé. Ah ouais, j'ai manqué la pièce. Ah, dommage. Je vais aller la rechercher. S'il veut bien arrêter de faire le con. Là, en restant tout droit, voilà, 28. La lumière. Ouais. 43 secondes. Il reste très peu de temps, hein. J'ai toujours rien trouvé pour l'instant. On verra bien. Ouais. Oula. Tamponné. J'arrive pas à la trouver, cette saleté de pièce. Hein. Je sais pas où elle est. Pas possible. Hein. Elle est où déjà? J'arrive pas à la trouver. Elle peut pas être là quand même. Je suis déjà passé au tout début. Ah non, elle est pas là. Je crois pas où elle est. Bon, bah, ça y est quoi, tapis? J'ai pas réussi. Peut-être pas que je l'ai mal, vu à. Je crois que je l'ai vu à droite, enfin à gauche là. Enfin au bord, mais je crois que je l'ai. Je crois que j'en suis pas sûr. Bon, bah, écoutez, vous savez quoi, c'est pas très grave. Je vais quitter. Donc au moins 16%, au pire vous le ferez vous-même, hein. Vous ferez votre propre avis. A vous de décider si ça vous convient ou si ça vous convient pas. Je pense que pour finir, je vais vous faire un mode contre-la-montre. J'espère que ça va vous réveiller. Voilà. Parce que là, on va pas se mentir qu'on commence sincèrement à s'endormir. Donc du coup, ouais. Donc on va reprendre l'aventure, on va contre la montre, nouvelle partie, chargée, voilà ma partie, ça sert à rien mais je le fais quand même. Donc là on a pris le tic, et bah écoutez on va prendre, garder les autres persos,
On va prendre tac. Allez. Voilà. Pas besoin de changer de nom. Ok. Et là, cette fois, on va prendre un stage qu'on n'a pas fait. Qu'on n'a pas pu faire. Donc, ok. J'hésite entre le Space Mountain et les Pirates des Caraïbes. Ouais, là. J'hésite entre les deux, mais je serais plus tenté pour Pirates des Caraïbes. Ouais, pour faire un clin d'œil au film. Même si le Space Mountain, il est bien. Hein, je veux dire, c'est une référence. C'est une référence. À Disneyland, justement, hein. C'est dans Disneyland, que ce soit en France ou aux États-Unis, ben c'est pareil, il y a le Space Mountain, hein, je crois. Enfin, je suis jamais allé à Disneyland, mais je sais que à Disney, Space Mountain il existe. Et c'est l'un des attractions cultes et classiques qu'on peut rencontrer à Disneyland, surtout. Donc, du coup, ouais, voilà. Pardon. Après voilà, bon, tant pis, je vais faire Pirates des Caraïbes, j'aime bien ce stage, parce qu'on monte par-dessus les bateaux, avec un pont magique, c'est pareil. Donc là, ce que vous entendez en arrière-fond, ben, c'est les musiques qui nous restent dans la tête. Encore que niveau musique, les développeurs ne se sont pas fait chier. On va prendre des items vraiment iconiques de Disney et on va en faire un truc drôle, sympa, et voilà quoi, clac clac, on va pas se prendre la tête. Et du coup c'est ce qu'ils ont fait. Du coup, vous entendez, mais la musique reste dans la tête. C'est fou. Bon, je connais pas les paroles, mais je chante. Faut bien que je me réveille un peu. Vous m'avez vu sur le canapé en train de jouer, j'étais presque à moitié endormi. Alors, du coup, je reprends un peu ma forme, hein. Je vous l'ai dit, c'est pas la prestation. C'est pas la première prestation où j'étais dans ma plus grande forme. Et là, je suis presque à moitié endormi. Vous savez, tout ce que j'ai fait en une journée qui n'a servi tout d'abord à rien. Moitié fatigué. Donc tant pis, je vais vous faire un petit truc comme ça à l'arrache. Hein. Enfin, je vais faire un petit mode contre la montre pour essayer d'en dire des choses. Enfin, pour vous raconter un peu. Donc la seule différence du mode contre la montre, je vous avais parlé, mais comme vous voyez, il n'y a pas d'adversaire, il n'y a pas de concurrent. Donc on peut se promener librement et tranquillement dans la carte. Découvrir s'il y a des passages secrets ou pas. Et pour ensuite les connaître si on fait une course, hein, parce que quand on fera le mode aventure, évidemment, on fera forcément une course ici. Pour l'instant, on est tranquille, on n'a pas à la faire. Il faut progresser dans l'aventure. Et après, quand vous avez fini le jeu à 100%, je crois à la fin, vous avez accès évidemment au feu d'artifice. Mais c'est pas moi qui va vous le montrer, le mieux c'est que vous le fassiez vous-même. Comme si vous étiez à Disneyland et que on vous envoyait dans un parc d'attractions où le but c'est le dernier tour. Donc j'en profite pour vous dire les mots qui me viennent en tête et que je peux vous dire. Mais imaginez que vous soyez parti à Disneyland en ce moment même, ou même à l'origine, vous partez à Disneyland et qu'on vous envoie en mission faire des courses de cars, des circuits et tout, et que vous devez sauver Disneyland pour pouvoir faire le coup d'artifice. Enfin, ça inventait une petite histoire. Quoi. C'est un peu comme je vous avais parlé, par exemple, de Disney Aventure, les jeux récents de Disney, parce qu'on n'a pas eu que ça. On a eu, évidemment, récemment, on a eu aussi le jeu Speed Zone, un jeu Speed de Disney où c'est exactement le même concept. C'est un jeu cars, disons que là, ça a des persos identiques. On a évidemment Mickey Noël des Dingos, on a Pixie aussi, je veux dire, on a Pirates des Caraïbes, on a la Reine des Neiges, on a Mulan, on a Hercule, enfin on a plein de persos, et là cette fois c'est des persos iconiques, pas des Tic et des Tac et des Jimmy Fouquet, là c'est vraiment des persos iconiques. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter de toute façon.
Enfin, comme je l'ai dit, je répète, si un développeur sera intéressé pour refaire, pour faire une version remasterisée de cet opus, c'est pas qu'il le fasse, il n'y a pas de souci, moi je suis preneur. En tout cas, je m'arrête là, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ah, désolé, j'ai oublié de quitter, voilà, sauvegarder. Voilà, je vais m'arrêter pour ce soir, comme je vous ai dit. Je vous en ai dit comme j'ai pu. J'ai pas fait mieux que la dernière prestation, mais voilà. Pour moi, je vous ai dit un peu de choses, et du coup, je vais m'arrêter. Et j'espère que ça vous aura permis de faire une petite découverte sur Walt Disney World The Magical Racing Tour, et de vous faire votre propre avis sur ce jeu sorti sur PlayStation 1, sur Dreamcast et sur Windows et Xbox Color. Pour faire votre propre avis, vous pouvez l'essayer depuis un émulateur PS1 pour ce que ça coûte, vous ne perdez pas grand chose, c'est juste pour vous faire votre propre avis, découvrir si ça vous plaît ou pas, et du coup voilà, quoi. Bah, c'est tout ce que j'ai à vous raconter, je ne vais pas en dire autant, maintenant je vous laisse, la prestation est faite, j'espère ne pas la refaire, et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, merci de mettre un petit like, ça fait plaisir. Et à très vite pour de prochains projets. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, ciao.